Hello tout le monde, c'est Forlux96 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de notre petite aventure sur Tomb Raider, la survivante la plus sexy au monde. Oui, je le dis parce que je le pense. Et alors, ça vous pose un problème? Bah pas à moi. C'est parti. Bah juste un petit peu le son. Voilà. Allez. Et là on a des réflexes, dis donc. Ça commence bien. Donc n'oubliez pas, dans l'épisode précédent, nous devons remonter la rivière pour aller au monastère pour la chambre des rituels ou je sais pas trop quoi. Je vous laisse écouter. Sam, elle est vivante. Tout comme notre amie. Qu'est-ce que vous faites, Dr. Whitman? Qui sont ces... Ils n'attendent plus que d'être présentés à leur nouvelle reine, par celui-là même qui a su nous la ramener. Ah! Bien sûr, bien sûr. Ces tribus archaïques n'ont pas de secret pour moi. La reconnaissance, James. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous en paix. Je vous amène votre nouvelle reine. Oh non. Votre reine. Comment ça se dit, je connais. Votre... Joho. My room. Son premier volateur. Enfin, le docteur Whitman est mort. Enfin, une bonne nouvelle. Raté. Je peux brûler ça? Pas l'air. Ça, je peux brûler? Je peux pas. Alors là, il y a un truc pour tirer... Ah, là en bas, j'ai pas vu. Pas l'habitude. Continuons à l'aventure, compagnon. À l'aventure, compagnon. Ton journal bug à l'aventure, compagnon. Bonne chanson. Pas mal du tout. Les gardes tempêtes. Ils protègent toujours leur reine après toutes ces années. Toi tu fais pas chier. Voilà. Une porte. On peut pas ouvrir. Une autre porte. Allez. Logique. Ah, ça j'ai pas remarqué, mais c'est vachement bien fait. J'ai plus de balles dans mon pistolet et la culasse elle est en arrière. J'ai pas remarqué la première fois. Y'en a du monde. Oh bordel, c'est quoi ces trucs? Où
Est-ce que... Ah, là-haut. Quelle bande de teubés. Ils ne me voient pas. Où que je suis encore. Tu vas voir. Toi tu meurs, toi tu meurs. Et toi? Comment peuvent-ils être vivants après tout ce temps? T'es où? Comment c'est encore vivant? Bah, il y a sûrement un secret de la fontaine de jouvence par loin. Pas loin, c'est sûrement. C'est l'explication la plus plausible que j'ai. Ah, on va améliorer notre fusil à pompe. La prière que j'ai trouvée sur le général suggérait qu'une âme prisonnière d'un corps sans vie serait la cause des. Fusil à pompe de combat. Je sais qu'il devait parler de compétences. Castagneur. Qu'est-ce que c'est le dernier? Maître esquive élimination, améliorer la puissance de vos attaques après esquive vous permettant de tuer pratiquement tous les types d'ennemis. Ça, je veux. Petite futée. Ah, mais par contre, juste un truc encore. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Fusil à pompe. Intéressant. Requiert chargement. Niveau pistolet, j'ai tout. Non, je n'ai pas tout. Le poignet et cartouche permet de réduire le recul. Pour ça, limite, je m'en fous. L'arc. Flèches, on n'a pas les flèches incendiaires, répondent le feu à l'impact. Ça, je veux. Voilà. C'est bon. On continue. Du matos, un nom de l'expérience. Ça sent la bosse. Il y a un problème. Au.
Oh. Fou. Ça reste plus beaucoup de flèches par contre. Ah bah. On a besoin de flèches. Puis il faut que je fous des cadavres. Hop, ouais. Ah voilà, des flèches. Des flèches en folie. Hop. Oh bordel. Oh, il est fort. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ah là là. J'ai perdu ma douce. Allez, brûle. Hey, tu as crevé. Ah. Quand même. Plein de balles de fiapo. Voilà, fous-moi la paix, toi. Ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Encore un là. Allez. Ah bordel. Allez, 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 allez. On se casse.
crever. Voilà. Oh bordel. C'était chaud. Les munitions, je suis pas contre. Hop. Avec du matos en plus. Ah putain de bordel de merde. Ils sont costauds. Oh mort. Dommage, j'aurais bien voulu lui péter la gueule à coups de piolet, ça aurait pu être drôle. Beaucoup de munitions, ça sent pas bon ça non plus. Un feu. Alors, voyons. Est-ce qu'on peut améliorer? Alors là, on a rafale, puis du chargeur, poignée ergonomique. Étranglement au maximum. Le fusil à pompe, je l'ai pas du tout amélioré. Le manchon du canon aéré facilite le maniement de l'arme, permettant ainsi d'augmenter les dégâts. Intéressant. Bon, on va acheter ça. Mais c'est tout. Mais si vous. Tiens, prends ça! Un livre. Je laisse écouter. Nous n'avions pas la moindre chance. Ils nous attendaient, ils étaient des centaines. Nous n'avons pas pu atteindre la chambre sacrée. Depuis le début, nous étions condamnés. Et maintenant, j'attends que mes ancêtres viennent me prendre. Je peux les entendre. Léonie tue mes frères, il les mange, il brûle leurs âmes. Tous ces morts. Je suis le dernier. Pourquoi moi? Vais-je devenir l'un d'eux? Puissent mes ancêtres m'entendre. Pitié, prenez ma vie avant que Léonine revienne. Emmenez-moi dans l'autre monde. Laissez-moi mourir en paix. Non, pas en vie. J'espère qu'on va te croiser, que tu seras encore vivant. Effectivement, c'est pas très ragoûtant. On va juste regarder à combien de temps on est. Pour pas que ce soit trop long non plus. Puis si je suis à 20 minutes, je suis gentil. Hein. Ouais, on arrive gentiment à 20 minutes. Bah, je vais encore faire un petit bout. Parce que je suis gentil. Je vais vous divertir un peu plus longtemps. Je sens pas, je vais se descendre et je vais me faire péter la gueule, j'ai l'impression. Là, il n'y a rien à faire. Là. Ah, bordel. C'est cosy, hein, quand même. Et je suis censé faire quoi? Je crois que j'ai fait une petite boulette. Est-ce que je peux remonter par la chaîne? Non. Ah, par là je peux remonter. Oh, j'ai eu peur un moment. Je me suis dit que j'étais foutu. Là. Oui. Et il faut que je fasse quoi avec ça?
parce que voilà, mais... Je dois défoncer la porte, j'ai l'impression. Hop. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je dois trouver un moyen de monter. Ouais. Et je l'ai trouvé. C'est aussi simple que ceci. Enfin, je pense que c'est ça. Non. Ah. J'ai cru. Ça me paraissait une bonne idée. Voyons autrement, peut-être par les poutres. Si j'arrive à monter sur une poutre. Je suis sûr qu'il faut aller là-haut. Ça, je ne peux pas casser. Là. Qu'est-ce que c'est ? Non. Et si je tire par là, c'est du quoi ? Tu peux prendre ce serrant. Au. C'est trop haut. Je sais. Pas. Comment faire au début. On dirait des plaques de pression. Peut-être que. Alors déjà, on va fermer la grille. Hein. Et on va descendre ce machin parce que j'ai trouvé. C'est plus simple que ça en fait. Voilà. Et pas hop. Ah non, en fait oui, non, oui, oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qu'il faut faire. Non, c'est pas celui-là pour le monter. Hop. Il a cru que j'allais pas le voir lui. Cette faïence chinoise a plusieurs milliers d'années. Aurait-il vécu sur cette île avant l'avènement ? Non. Pas avant que les Léonides se ramènent. J'ai pas envie. Allez, monte. J'aurais cru. Bizarre. Comment faire? J'étais persuadé qu'il fallait juste faire ça, puis qu'il s'accrocherait un truc ici. Mais apparemment pas. Le pic il s'est cassé. C'est un truc. Non. Je crois avoir trouvé.
Il faut que je tire ça contre ici. Que je cours et que je saute. Et cours, 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 cours. Est-ce que j'arrive à le choper depuis là? Non, c'est pas ça. Mais je crois avoir trouvé. Non. Mais je suis sûr. Je suis sûr que c'est un truc du genre. C'est pas possible autrement. Oui. Allez. Mais non, mais je suis con. Je suis con, mais un de ces points, vous pouvez pas savoir. Faut que je monte. Pour sauter dessus. Oh, bordel. Quel stupide individu je suis. Hop, et voilà. Hop là. Les reines solaires. Le rituel au cours duquel la reine choisit celle qui lui succède. La prêtresse désignée entre dans le monastère. Elle s'empare de ton pouvoir et devient la nouvelle reine. Oh mon dieu, mais alors? La plupart étaient prêtes à donner leur âme en échange de ce don. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. C'est donc ça. Ce n'est pas un transfert de pouvoir. Non, c'est bien un transfert d'âme. Toutes ces reines, elles étaient... toi, Emiko. Première et dernière. Oh mon dieu. Maintenant tu veux Sam. Je ne te laisserai pas faire. Et ouais, et c'est sur cette phrase qu'on va s'arrêter. Ta ta ti ta ta ta. Ouais, mais pas tout de suite. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vert, le petit s'abonner et le petit commentaire qui fait toujours plaisir en bas de la vidéo. Partagez la toutes les vidéos de Tomb Raider, toutes les vidéos de la chaîne. Partagez la chaîne, voilà. Ça ferait un énorme plaisir de savoir que vous l'avez fait. Donc on se retrouve pour très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, à plus.